Ok, ben voilà. Hop, ici. Bon, on va tout prendre. Et prendre l'or. Mais du coup, j'ai perdu mes deux vassaux. Mais je ne suis pas encore fan du système de vassalisation. Parce que j'ai pas trouvé comment on fait pour les intégrer et comment on fait pour les garder. Alors ici, déclarer la guerre. Province non principale, aucun conseiller. Conseiller administratif, entretien de province. Ah, j'ai plus assez d'or. Ok, on va mettre ça au minimum, la taxation au max. Et eux sont indépendants, donc dès que je peux, je leur déclare la guerre aussi. Ainsi, j'aurai unifié le bas de la botte. Aucun conseiller. Et là, c'est quoi? Former une alliance avec qui? Perugia? Non, désolé Perugia, mais tu es une cible en fait. Alors ici, aucun conseiller. Il est à combien? Il a 31. Efficacité fiscale, ça me plaît. Et ici, pour ça, j'en ai pour 138. Ok. Point, j'ai un point à mettre. On va mettre en quoi? Augmenter le coût de croissance. Non, diminuer du coup le coût de croissance. Le butin. Ah, on va augmenter l'héritage, c'est très bien. Former une alliance avec la France. Oui, j'accepte la France. Et là, j'ai eu quoi? J'ai débloqué ici. Mission disponible. Non, c'est bon. Et là. On va jouer en vitesse max. Alors là, j'ai droit à combien? 36 sur 34. Ça va arriver. Hein. C'est le temps que j'intègre, à mon avis. Un point ici. Récupération de main d'œuvre, non. On va partir sur amélioration de relations. Alors ici, la plus chère, c'est celle-là. Celle-ci. Et ensuite... Toi. Oh. Bah, j'ai quand même amélioré les relations. En gros, là, c'est l'Albanie, quoi. Et donc, ça, ça ferait partie des territoires... Oui, Tirana, c'est l'Albanie. On va bien améliorer les relations avec la France. Ok, là, on est à 34, 36 sur 34. Toujours pacte de non-agression. Pas grave, je t'aime bien. On va faire la paix. Alors là, tout va pouvoir être intégré. Choisissez vos rivaux. Bah lui, hein, lui va être mon rival, félicitations. Fin de la traite, bah non. Bah... Aïe, les amis. Rue. Oh, le chat. Ok. Maybe. Mais... Allez traduire ça. Détecter la langue. Ça ? C'est pas ça que tu m'as mis. Copier. Je me l'emmets s'il répondra. Ah. Yes. So, sorry, I don't speak Russian. I suppose you come from Russia. So, but I respond to you. Rivalisé par... Oh, les méchants serbes. Ok, mes rivaux, j'en ai que deux. Non, c'est bon, j'en ai trois. Je connais pas votre langue, donc je comprends pas ce que vous dites.
Okay, I'm come from Belgium, so... Oula. T'inquiète pas, Star. Bah, y a un russe qui passe dans le chat, hein, et du coup, il parle en russe, mais il ne comprend pas. Et du coup, il se demandait... En gros, il fait, à mon avis, son premier message, c'est un salut en hello, ou un bonjour, quoi. Le deuxième, il se demande si je lui répondrais, et en troisième, il dit qu'il comprend pas ce que je dis, malheureusement. So... Donc voilà. Pas grave. Ça fait venir du monde. On voit des têtes, des nouvelles têtes. Mais pourquoi tous mes copains rivalisent? La Belgique est un beau pays. Manque de général. Hop. Écoutez. Trêve, encore un an de trêve et on les attaque. Mais en fait, rivaux, oui, mais les gens qui me rivalisent. Pourquoi? On s'entend bien, ils rivalisent, le salaud. Justement, on a l'air de bien se porter. Je vais essayer de lui parler. Hop, non, 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 annuler. Retirer le message épinglé. Tu peux essayer si tu veux. Hop. Copier. Du coup, ça change, hein, d'accord, au revoir. Bye and have a good day. So, maybe. Cool, là il est parti. Enfin, il s'en va. Hop. Bye bye. And thanks for your visit. Très avec Salerne. Très bien. Pacte défensif. Non. Par contre. Pacte défensif. Non. La France m'a aussi rivalisé. Non, pas encore. La France. Mais on est alliés. C'est... Eux m'ont rivalisé. Rivalisé. Ok, déclarer un état de guerre. France contre Faenza. Ok, Faenza, on s'en moque. Ah, je suis pas à moins 30. Comment ça, je suis pas à moins 30? Comment ça, je suis pas à moins 30? Merci. Alors, là, je peux faire ça. En faisant un clic molette et en scannant, ça permet de sélectionner plusieurs troupes. Ok, négocier la paix. J'ai eu peur, je pensais que je pouvais pas tout avoir. Ce qui arrivait beaucoup dans le 2, c'est qu'on pouvait pas tout prendre des provinces. Par contre, on a pris très cher. Ah bah oui, tu m'étonnes, maintenance de l'armée au minimum. On a pris très cher, effectivement. 80% d'énervement en cône. Ça augmente ou ça diminue? Changement diminue, ok. Ouais, mais en même temps, j'ai été con, j'ai fait des grosses bêtises, là. Je les ai énervés facilement. Point d'avantage, enfin, point de recherche. On va partir sur... augmenter le taux de croissance, non, pas encore. Coût des bâtiments admin, ce serait bien. Et choisissez vos rivaux. Toi, on est rival. Et voilà.
Une révolte. Ouch. Tout le monde va à Messine. Ok. En cône. Ça diminue. Très bien. Alors, ce que je peux faire ici, c'est remettre ça. Ça va diminuer notre argent, mais ça va remonter nos armées, je pense. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je peux venir construire en bâtiment économique? Ah, on a les ports maintenant. Très bien. Je vais construire un port ici. Et ensuite, est-ce qu'il y a des bâtiments qui coûtent pas cher? Un grenier, augmenter le taux de croissance local. Oui, il faudrait que je regarde en fait. Population. Là, c'est là où il y a un haut taux de croissance. Enfin, haute main-d'œuvre. Aucun conseiller. Développer le coût de l'infrastructure. Revenu issu de la prod. Ouais. Trouble, trouble. Les gens ne m'aiment pas vraiment. Je suis sixième puissance, c'est ça? France, Angleterre, Hongrie, Yuan, les Teutons, et ensuite je suis sixième. Ok. Ah oui, les Teutons, ils se font plaisir. Ils ont un nom dégueulasse. Parce qu'il est tout petit, il est tout replié sur lui-même. Oh, et toi, si je te déclare la guerre? Bah, toi, on va... Non, je vais commencer par eux, je pense. Ici, mon expansion agressive est à 3. Appel aux armes, bien évidemment. Je suis en guerre contre qui, du coup? Non. Guerre en cours. Artois, c'est là-haut, c'est ça? Ah, ils sont vénères, les Français, hein. On va aller prendre le pays ennemi. Traité de pêche. Et la France se bien gavée. Oh merde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, le jeu a décidé de disparaître à un moment. Alors, au niveau des rébellions, ça devrait se calmer. La première, bah, c'est ma deuxième rébellion. On a une première rébellion ici qui est beaucoup mieux maîtrisée. Par contre, celle-ci, c'était une rébellion ninja. Mais oui, je vais commencer. Je vais partir vers le nord de la Sardaigne. Objectif, prendre la Sardaigne. Et en limite, j'ai toujours... Ok, j'ai pas ma limite. Enfin, ma limite est dépassée pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais augmenter une ici... On met une ici, et je vais augmenter ici. Ça devrait un peu augmenter, et peut-être une quatrième, voilà. Toi, je peux te déclarer la guerre, très bien. Débarquer. Alors ici on a les pièces frappées. Loi. Non j'ai pas les moyens encore. Ici. On va prendre quoi? On va prendre... Limite des régiments plus 8. Est-ce que ça me... Oui ça règle mon problème. Toi tu vas venir là. Très bien. Loi débloquée. On n'y touche pas. Ici négocier.
prendre toutes les côtes et puis l'intérieur et tout en or. Voilà. Trêve expiré avec Fenza. Je m'en moque. Gêne. Gêne, je vais te rivaliser. Déclarer un état de guerre. Milan. Ils se mettent bien. Milan, République de Venise. Ah là, ils se font plaisir. Hein. Toi, j'ai amélioré les relations. Et toi, je vais améliorer les relations aussi. Et République de Venise, surtout. Mais c'est bon, République de Venise n'a pas Venise. Bravo. République de Venise, ils sont hors d'Italie. Quoique, non, ouais, c'est ça, ils sont perdus hors d'Italie. Hop, ici. Alors, j'ai mes provinces. Ouais, logique, 200 qu'il me faut. Je vais commencer par la héritage. Taux de croissance. La loi, elle me coûte combien? C'est 40, c'est ça? 40, dès que j'ai 40, hop. Ça va augmenter l'argent que je me fais, donc. Non, comment? Pourquoi je peux pas? Ah, j'ai pas assez de points de réforme, c'est ça? Ouais, il me faut 25 de réforme. Donc là, je vais gagner un peu plus d'argent. Et ici, province non principale, on peut commencer, ça devrait 3. Une autre révolte. C'est bon, tu peux rester là. Ici. On sera à 43, donc c'est pas suffisant encore. Parce que là, il me faudrait 46. Ici. On va augmenter là, on va augmenter ici. Je peux pas, j'ai pu en augmenter de 1. Province non principale. Bon, le monde, il est un peu bordélique. Mais ce qu'on peut faire, et ce qui est très drôle, c'est qu'on peut déjà lancer les périodes de colonisation. Donc, je vais... Dès que j'ai 50, je vais me faire 5 colons qui vont partir de Sardaigne et qui vont fonder la première colonie ici. Et ainsi, en fait, ce qu'on peut faire, c'est fonder 5 fois 1, ou alors 5 qui fera une grosse colonie tout de suite. 1, 2, 5. Donc je veux commencer par faire une grosse colonie et 5000 habitants. Manque de général. Non, ça c'est pas grave. Et province non principale, on peut avancer. Donc voilà, ça c'est une armée de colons. Et les colons, on va donc les envoyer sur cette île-ci. Qui sera mon point de départ pour toutes les colonies que je veux faire. Et j'aimerais faire dans un... Oh, l'Espagne c'est déjà... Non, ici il n'y a personne. Donc je me déprêcherai peut-être. Pas de colonisation ? Comment ça? Manque de général, on s'en moque. Par contre, les lois. Loi coloniale. Mais... Ah, ça a changé. Avant, à un moment, j'ai pu le faire. Bon, bah, je vais supprimer les armées, alors. Diviser, non. Je vais dissoudre. C'est con, j'avais pu le faire avec les Anglais. C'est comme ça que j'ai pu commencer ma colonisation. Et que au tout début du jeu, j'étais au Canada déjà. C'est dommage. Province non intégrée. Alors, ma prochaine cible, du coup. Oh, pauvre Aragon, t'aurais dû t'allier à moi. Si j'améliore les relations, très bien. Hop. Donc, soit, et c'est peut-être ce que je devrais faire, c'est m'attaquer à eux. Si j'attaque Dubrovnik. Ils sont... Ah non, il y a Naxos qui vient, super.
soit ça, soit je vais m'attaquer à eux. Mon empire de la pizza. Ouais, il me faut les îles ici. Donc ce serait peut-être bien d'y aller pour les réquisitionner avant qu'il soit trop tard. Hop, donc on va aller les réquisitionner. Plus en expansion agressive, on est ultra faible. Stabilité, ok. Risque de rébellion, il y en a. Hein, mais... Ah, une... Ok. Voilà. Juste les 7. Non, je prends tout. Voilà, négocier. Et tout en or, s'il te plaît. Hop, ici c'est fait. Alors, toi tu vas revenir à Naples. Et toi tu vas te mettre ici. Points. On a gagné des points. Je vais partir sur... le coût de construction des... Non. Ici. Maximum de morale. Oui, bien. Ici, en recherche. Avantage... Non. Patronage et noble. War Tactics. Là, ça me donnait quoi? Non, je vais partir sur patronage et noble. Aucun conseiller. Conseiller ici militaire, efficacité de siège, coût des bâtiments. Manque de général. 6-4. Et les provinces. Il y en a quelques-unes, mais ça va. Aragon s'est fait manger. C'est dommage. S'ils avaient été alliés. Du coup, j'ai juste envie de leur dire gros chais. Chais Aragon. Milan, République de Venise, ça fait beaucoup. Avec les Français, ça pourrait le faire. Mais pas tout de suite. Et toi, si je te déclare la guerre, Armagnac. Ah, là, si... Ouh, déclarer la guerre au pape. Moi, revendication en première, ce serait ça, mais c'est pour tout le manger. Et j'appelle la France qui s'occupe de l'Armagnac. Mais pour ça, toi tu vas venir à Naples. Toi on va déjà te réorganiser. Enfin, t'envoyer. Et j'ai droit à combien maintenant? 43. Donc j'ai droit à 4 et 3, 7. Commencer par... Non, un trébuchet. Et 5 archers. 2. 3. 4. Fin de la rivalité? Ouais, oui, c'est ça. Donc là, on est à... Ah, mais c'est parce que j'ai des trucs à améliorer, peut-être. Upgrade des régiments. Ouh, je suis à moins 27. T'es 25, ok. Ok, donc là, si on regarde en armée, je suis à 42 sur 43, donc on va pas plus avancer pour le moment. Mais avec l'argent que j'ai... J'ai un peu développé certaines provinces. Je suis au max ? C'est dommage ça. C'est dommage, mais ça va me permettre de demander la construction en militaire... Une caserne. Je peux pas, c'est combien? C'est trop cher. La caserne la moins chère. À Ancône. Voilà, une caserne à Ancône. Et donc ça va augmenter ma limite.
Ah oui, il faut se débarrasser d'Armagnac. France, Alliance. Juste au moment, je veux déclarer la guerre. Ok, ils acceptent l'Alliance. Parfait. Donc si je viens et que je te déclare la guerre, j'ai Armagnac, la France viendrait. Sauvegarder. Alors, lequel s'appelle Pizza? Là, normalement, il s'appelle anglais. Donc là, mon extension agressive est à zéro. Donc on n'a pas le choix. C'est obligé. Déclarer la guerre. J'appelle la France. Et vous deux, vous allez sur Rome. Ils m'ont détruit mes armées. Ok. Parce que là, j'ai zéro armée. Ok. Ici. Donc, on est à 100% dans tous les cas. Donc, je veux Rome. Je veux les côtes. Si je fais ça, j'ai droit à 61 d'or. Très bien. Des réparations. 1,12 par mois. Non. Bon, si on peut tout manger, je le mange. On peut tout manger. Parfait. Donc j'ai plus d'armée, ça va rien me coûter. Mission disponible. Élargir votre territoire. Très bien. Point. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... J'ai pas quelque chose qui augmente la vitesse de recrutement. Intérêt du prêt, ça m'intéresse pas. Ok, alors, aucun conseiller. Limite de régiment, non. Défense des unités. On a quoi d'autre? Aucun conseiller. Héritage de civilisation. En militaire. Attaque des généraux, non. Défense des unités. Discipline. Limite des régiments. Oh. Ah, j'ai déjà mis. Discipline, alors. Loi débloquée. J'ai débloqué quelle loi? J'ai débloqué les écoles ici. Ok, mission disponible, j'ai débloqué celle-ci. Ok. La 44, ouais. On va refaire. On va commencer le recrutement des deux armées. Combien c'est 24? Donc dès que j'ai 48, voilà. J'ai mes deux armées qui commencent à être recrutées. Position. Oui, mais moi ce que j'aimerais avoir comme info, c'est. Tac. Voilà. Mission. On va essayer de commencer par intégrer toutes les nouvelles provinces. Hop, moins 200. Parfait. Et donc on était à combien? Je sais qu'on avait. Non, il faut qu'on regarde ici. Main d'œuvre, c'est pas ça que je cherche. Je veux les infos. Largeur de bataille, c'est 40.